Mais frère, le récit qui a été raconté, il y a de cela un enseignement pour ceux dont les paupières du discernement ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre récit aussi qui va venir vers vous. Aujourd'hui, ce soir, vous êtes gâté à Fidayo. Pourquoi? Parce qu'en fonction du récit d'Élie, on va comprendre quelque chose. Qui a compris la fin de ce récit-là? C'est que 400 prophètes, 450 prophètes de Baal ont été égorgés par un prophète. Imaginez-vous dans un continent, dans un pays, dans une contrée, on apprend qu'ils ont égorgé 450 personnes. Imaginez le sang qui coule dans ce pays-là. Imaginez les droits, c'est-à-dire que... Droits de l'homme, ONU, son CDAO, son CDQAO. T'es foutu. Son BCAO, tout le monde. Imaginez, on dit, 450 personnes ont été égorgées. Mais, quand nos frères d'à côté, ils lisent ce verset-là. À l'église, il y a une chanson qui passe, tu connais pas la chanson. Vas-y, frère. Vas-y. Élie a prié, Élie a prié. Élie a prié, le feu est descendu. Ça va, nous on chantait ça à l'église et puis on dansait. Bon, quand on a. En fait, sauf que la chanson s'arrête là. Ok. Ce qui s'est passé par la suite de la chanson, dit pas. C'est ça qui est la vérité. Après qu'Élie a prié et puis le feu est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? 450 personnes ont été égorgées. Ils ont caché la partie là. Tu as vu ça? Ah, c'est le prophète Mohammed. Imaginez que le prophète Mohammed allait s'en aller avec 450 personnes. On n'a pas sorti de la prison. Vous avez trop le sang, vous les musulmans là. Vous avez trop égorgé. Vous tuez l'homme, vous tuez mouton. Vous tuez mouton encore. Il y a 100 partout. 100 partout. C'est quel prophète ça? Mais quand c'est pour eux là? Élie a prié. Le feu est descendu. Ah bon, hein? Quand le feu est descendu là, il y a eu quelque chose. Génocide s'est passé après. Voilà pourquoi nous on dit on est fiers du prophète Muhammad. Alayhi salatu wa salam. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad c'est l'homme. Le frère. Oui. C'est-à-dire que le prophète Muhammad n'a jamais tué 450 personnes. Mais en le prophète se résumait toute la vie des autres prophètes. Clair. C'est-à-dire que si tu veux attaquer le prophète Muhammad, tu attaques un autre prophète. Clair. Si tu insultes Muhammad, tu insultes un autre prophète. Parce que lui là, il est le sceau de la prophétie, il est la généalogie de tous les prophètes formés. Voilà pourquoi Allah dit, nous avons manifesté, nous avons exacté pour toi ta renommée. Oui. Quand Allah avait parlé au prophète, il dit, oh toi revêtu le manteau, oh toi Muhammad, messager d'Allah. Naam. Écoutez bien, 450 prophètes ont été tués, on acclame. Après, souvent, on chante David a battu Goliath pour libérer Israël. Ah, donc Goliath, c'est pas enfant de quelqu'un. Ça, il est l'enfant de quelqu'un. Ah, vous, votre prophète, il a tué les gens. Il est là. Mais et Goliath est mort. Imagine le moment de Goliath, vous, regardez en train de chanter. Vous tuez son fils et puis vous dansez. Non. Mais on dit que notre prophète a été un assassin, subhanallah. Il dit, quand on dit ça, on est fort encore. Oui. Parce que vous ne le connaissez pas. Il y a une affaire qui s'est passée. En fait, tous les détracteurs de l'islam, tous ceux qui s'attaquent au prophète Mohammed, ils s'attaquent à quelque chose. En fait, ils insultent un plat qu'ils n'ont jamais goûté. Wallah. Il a dit, viens goûter au prophète, il reste chaotique, il ne bouge plus. Il y a une affaire qui s'est passée un jeudi. Ça s'est passé quand, mon frère? Le jeudi 26 Safar. Et bien, tu n'étais pas au courant. Aujourd'hui, un jeudi, non. Comment essayer d'enferrer? Viens rappeler aux gens le jeudi. Alhamdulillah. Donc il y a un moment qui s'est passé le jeudi. Un jeudi du temps du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi. Quand vous dites jeûner le jeudi là, c'est important. Hein? Wallah. Aïe Sundika. Aïe Sundu. Aïe Sundu. Aïe Sundu. Le lundi et le jeudi là, les gars, encore Sundu. Parce que le jeudi là, c'est un jour très prophétique, c'est un jour très important pour nous musulmans. Regardez ce qui s'est passé ce jeudi 20. Vas-y frère. Le jeudi 26 Safa de la 14e année de prophétie. Le jeudi 26 Safa de la 14e année. Ah moi si papa, toi les gens les découvrent ça. Et on est dans 22 Safa. T'as vu, non? Et puis c'est un jeudi. C'est le même moment. Comme Yalava, on revient à l'histoire. Vas-y. Alors, frère. 12 septembre 622. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas loin de 2 mois et demi après la grande allégeance. C'est-à-dire que dès que les gens sont venus faire allégeance au prophète, 2 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Une assemblée eut lieu à Darun Nadwa. Il dit les deux se sont associés. Oui.
Les gens ont formé Goï parce que le prophète Mohammed est venu leur parler de Dieu. Ils ont formé un Goï parce qu'il dit 365 idoles ne peuvent pas vous sauver. Adorer un seul créateur des cieux et de la terre qui n'est pas une idole. On dit, voilà, ils viennent nous défier. Oui. Vas-y, frère. Au petit matin. Ils sont allés faire un Goï. Ils ont veillé jusqu'au petit matin. Vas-y. Probablement la plus grave assemblée de l'histoire de ce parlement. T'as entendu? C'est wow. Le plus grand papatoya du monde. C'est que le plus. C'est que le plus. Viens me blesser. Allez, ça. La plus grande réunion. C'est que. Vas-y, frère, c'est bon. Un représentant de chaque clan de Quraysh était présent. Ils ont amené à la tête de pour chaque. C'est que un babatier de chaque clan. Les Wobeo, les Guéreo, les Djulao. C'est que tous les meilleurs morts sont venus. On a pris la tête et puis chacun est venu. Vas-y. Dont l'objectif était de prendre une décision. Permettant à l'élimination. Faut pas vite aller en maison. Les gars sont venus prendre une décision. Tout le bruit est venu prendre une décision. Mais quelle était la décision? Et contre qui était cette décision-là? Vas-y, frère. Une décision permettant l'élimination de Mohammed. Regardez. Un seul gars. Et ils font bruit pour le djah. Écoutez bien. Si le prophète était victime de complot, ils ont comploté contre lui. Ils ont fait réunion contre lui pour le bolon. Toi, tu es qui? Et puis, ils ne vont pas comploter contre toi. Question. John le Bélier. Toi, tu es qui? Hein? John le Bélier. C'est ça. Ou encore, il est John. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a dit là. Ah bon? Le prophète Alice, mais qu'ils ont fait bruit pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir le nuire. Il dit, vous allez respecter le prophète Mohammed. Vas-y, frère. Et l'étouffement de sa prédication à l'islam. Vous savez qu'ils ont fait bruit. On dit, les gars, les DDR, ils parlent trop. Oui. On doit faire quelque chose pour qu'ils n'ont qu'à arrêter de venir à figurer, ils n'ont qu'à arrêter de faire les mouvements. Les mouvements de prédication, oh, on a tout fait pour c'est trop ça. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, frère. Les représentants des tribus de Quraysh présents étaient les suivants. Vas-y, cite-les. Abu Jahal Bouni Hisham. C'est les têtes, hein. De la tribu de Bani Makhzoum. Première tête. C'est lui, Abu Jahal. Vas-y. Zubair Bun Mutaim. Tous ceux-là. Vas-y, il faut laisser les noms. Mais les noms ne nous intéressent pas. C'est les mauvais types. Il faut laisser les noms. Il faut suivre la suite. En tout cas, ils étaient 10. Ils ont formé le Goï contre le prophète. C'est comme ça aussi dans ta vie. Les gens vont compléter contre toi. Mais tant que tu as la ilaha illallah. Non. Tant que tu as la sincérité. Tant que tu as la foi. Tant que tu es dans la sincérité totale. Tant que tu crées ton Seigneur, quelles que soient les actions que les hommes vont mener, tous seront voués à l'échec au nom d'Allah le tout miséricordieux. Claire. Mais tant que tu seras dans l'ambiguïté, Joe, est-ce qu'il n'est pas allé voir Marabout là même? Oui. Est-ce que c'est pas. Moral, lui, son là les marche, mon là les marche pas. Est-ce que lui n'a pas fait Zamou même? Attends, moi aussi aller voir. On dit Dieu, on dit aide-toi et puis Dieu va t'aider. Oui. Donc moi aussi aller m'aider, Dieu va appuyer par la suite. Tant que tu n'es pas dans le chirque, tu es dans l'unicité, tu es dans la pratique totale de la voie sur la voie d'Allah. Quel que soit ce qui va être fait, faut dormir tranquille. Parce que le prophète Mohammed est l'exemple, un excellent modèle à suivre. Ce qu'il a vécu là. Écoutez, vas-y frère. Arrivé au lieu de réunion. Arrivé au lieu de la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Iblis se présenta. Ah, ah. C'est toujours lui. Chokoroba est toujours à côté. Ceux qui ne connaissent pas Iblis, c'est le vieux mort, on appelle Satan. C'est Satan. Satan. Satan, je t'attache. Satan, je te prie. C'est lui qui est là. Bon, on attache Satan dimanche passé. Dimanche prochain, on le revoit encore en train d'attacher Satan. C'est pas le même. Qui l'a détaché? Quand vous l'avez attaché, j'ai mal passé là. Est-ce que vous connaissez Satan? Satan, mec, il a pris votre Dieu là. Il a pris, il l'a envoyé sur une montagne. Il est là. Tu te jettes et puis tu m'adores. Moi, il a détruit tout ça. Satan lui tente ton Dieu. Et puis toi, tu es attaché. Petit impoli. Vas-y. Et puis il se présenta sous l'apparence d'un honorable vieillard. Il est vrai. Comme il disait que là-bas on respecte les vieux. Ouais. Il a pris un vieux coron, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas discuter à lui. Tu ne peux pas discuter. Quand tu le vois, tu dis chef de religion. Tu dis les vieux. C'est ce que tu dis là. C'est ça. Vas-y. Lui demandant qui il était. Oui. Celui-ci répondit. Oui. Je suis un vieillard originaire de Najd. Il va donner une origine à Bessie qui devient Korogo. Voilà, c'est un vieux de Korogo. C'est Korogo. Ah bon, pardon. Pardon, le Dieu. Vas-y, frère. J'ai appris votre affaire. Il dit, j'ai appris le point que vous avez tracé là. Le complot que vous voulez faire là, j'ai appris ça. Vas-y. Et je suis venu vous écouter. Je suis venu vous écouter. Hein? Peut-être que mes conseils vous seront utiles. Conseil de Satan. J'ai sage. Il dit, ça vous sera utile.
Regardez le conseil de Satan. Vas-y, frère. Il le laissait entrer et c'est ainsi qu'ils ne participent pas à leur réunion. On dit, bon, comme tu es vieux, faut job. Viens nous donner. Ils sont sages, ils peuvent donner les bons conseils. Vas-y, frère, rapidement. Une fois toutes les délégations présentes, les différentes propositions commençaient à être étudiées. Vas-y. Abu al-Awwa se proposa, expulsons-le, chassons-le de notre pays. Donc voilà ce qu'ils vont décider. Bon, bien, le prophète Mohammed, soit on l'expulse, oui. On le chasse du pays, ou bien vas-y. Peu importe où il ira, peu importe où il va aller là, hein? L'essentiel est que nous rétablissions la solution chez nous et que nous soyons à nouveau unis. Vas-y, frère. Le vieillard des nages prit la parole. On l'a pas demandé, hein. Lui, il s'est introduit. Vas-y, frère. Non. Il dit non. C'est pas la bonne. Il dit d'agir là. Chasser le gouvernement. Non, c'est pas la bonne. Si tu le chasses là, il va faire des enfants de la main. Il va revenir. Et puis lui, de toute façon, il est cambré sur sa position. Il ne va pas laisser. Chasser la main. Une meilleure idée. Vas-y, frère. Par Allah. Et puis Satan dit. Il connaît les écritures. Il est comme. Et puis quand Satan va te prendre, il dit jure au nom de Dieu. Il dit il est écrit. Si tu fais, on te. Satan. Vas-y, frère. Par Allah, oui. Ceci n'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution, vas-y frère. N'avez-vous pas remarqué son éloquence? Vous ne voyez pas comment le prophète Mohammed il est éloquent. Il parle même à Satan. C'est dur. Satan reconnaît que Mohammed est éloquent. Ouais. Lui souvent dit que ça, le prophète est un prophète. Ah, lui et puis Satan, qui est plus. Analysé. Qui est plus Satan? Analysé. Satan lui-même reconnaît que le prophète Mohammed est éloquent. Tiens. Voilà qui parle, c'est quel limpide pur. Il prend vos cœurs même. Tiens, vas-y. Son éloquence, oui. Sa force de persuasion et l'attraction qu'il exerce sur le cœur. Si vous faites cela, oui. Peut-être se rendra-t-il chez les Arabes. Hey. Il est trop éloquent. Qui parle, ça rentre, ça pénètre le cœur. Ça dit que lui ne convainc pas le physique, mais il touche le cœur. Si vous faites cela, c'est rien. Il va les prendre chez les Arabes, il va les prendre encore. Vas-y, frère. Et soulèverait-il contre vous, oui. Après qu'il ait embrassé sa religion? Si tu as fait ça, les Arabes vont les mêmes, vont embrasser sa religion, vont se lever contre vous. Hein. Vas-y. Trouvez plutôt une autre solution. Satan dit chercher une autre solution. Vas-y, frère. Abu al-Bakhtari dit alors. Il y a un autre qui s'est levé là-bas quand il dit bon, attends, il n'y a pas trouvé une solution. Vas-y. Enchaînez-le. On va le prendre, on va l'enchaîner, oui. Emprisonnez-le. On le met en prison. Et attendez qu'il subisse le même sort qu'ont subi les poètes de son genre. Il va avoir faim, on le laisse quand il va mourir de faim. Tellement seul là, la sortie va le tuer. Laissez mieux comme ça, vas-y. Comme Zouhaï. Vas-y, frère. Le vieillard du neige dit. Le vieillard, Satan, quoi dit? Non. Non. Dans un rien. Non, c'est pas la bonne solution. Vas-y, frère. Ce n'est pas une bonne solution. Oui. Si vous l'emprisonnez. Si tu le mets en prison. Ses compagnons l'emprendront. Ah, ses compagnons vont prendre. Il dit, attends, les morts qui étaient prêts. Ils vont descendre en Nia. Et que toi, tu aimes Mohamed. Et que toi, tu aimes le prophète Mohamed. Est-ce que nous, on l'aime? Nah. On était présenté, on dit dans la bouche seulement. Il dit si ses compagnons, Satan, hein? Satan dit Joe, si tu l'as mis en prison, que ses compagnons ont pris droit de ça. Ah ben, Yanami. Vas-y, frère. Ils vous attaqueront. Ils vont vous attaquer, ça chauffe pas. Vas-y. Pour le libérer. Claire. Avant de vous combattre et de vous vaincre, trouvez plutôt une autre solution. Et puis, il a dit encore, réfléchissez encore. Satan, il a le plan. Hein? Il a le plan. Il a épuisé tous les quatre trucs d'abord. Vas-y, frère. Après le rejet de ces deux propositions. Abu Jahal proposa une solution à le capitaine des mécréants lui-même il dit bon, attendez, vous donnez une proposition qui sera claire. Vas-y. Accepté à l'unanimité en disant oui. Choisissons parmi chaque tribu un jeune homme noble et fort. On prend parmi nos tribus là, on prend chacun un homme, un garçon, on prend qui est bien fort. Vas-y. À qui nous donnerons une épée aiguisée. On va donner à chacun de nos enfants là une épée bien aiguisée. Vas-y. Tous ces jeunes hommes se dirigeront alors vers lui. Encore, vas-y. Et le tueront. Et puis ils vont le tuer. Pourquoi? De cette manière. De cette manière. Son sang sera versé par toutes les tribus. C'est-à-dire que toutes les tribus ont versé le sang. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a payé le prix du sang. C'est pas faux. Vas-y, frère. Et les Banu Abdoumanaf ne pourront pas combattre tout le monde. Ils ne pourront pas combattre tout le monde parce que c'est tout le monde qui s'est levé contre lui. Donc ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli là, ils ne pourront pas s'attaquer à vous parce que vous êtes beaucoup et ils sont seuls. Vas-y frère. Ils ne feront que nous demander de verser le prix du sang. Ceux qui vont vous dire, ah, bon, quand vous l'avez tué, il a payé le prix du sang. C'est tout ce qu'ils vont dire. Dans là, on cotise. C'est un diable. Ah, c'est tout. Et puis c'est mort, il est mort. Attends, on a déjà tué l'élément. Vas-y frère. Et nous le verserons. Vas-y. Le vieillard du nage dit alors. C'est là le sang. Le vieux Mohamed il dit. Je partage la vie de celui-ci. Ah. Lui, toi, petit là, tiens, prêt. Tiens, prêt. Envie de le tuer là. C'est ça. Là, ici, d'accord. Vas-y, frère.
Aucun autre avis ne vaut le sien. Il dit, il n'y a pas un autre avis qui vaut le sien. Vas-y. Ainsi, oui. L'Assemblée valida cette proposition. Il est caché dessus. Bon, c'est bouclé. C'est bon, lui, là, on fait sa volonté. Fais à volonté. Vas-y, frère. Et ses membres se dispersèrent, bien décidés à mettre leur plan à exécution. Vas-y, la suite, c'est très... On va voir le plan à exécution, on va voir. Vas-y. Une fois la décision d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam prise, dès qu'ils ont pris la décision, l'archange Djibril se présente général des armées. Il dit Mohammed, les îles trop vendus. Allez te dire là, lui il vient à 600 ailes. C'est que lui il est assis chez lui, non? Et ils sont en train de comploter. Ils oublient que où ils complotent, il y a le ciel et la terre. Et il y a le maître des cieux et de la terre qui a dépêché l'archange Gabriel, dit va, champion, va les écouter. Dès qu'ils sont en train de parler, et puis Gabriel il a dit, allez plaisanter là. Il a pris, bon, comme le système, bon, bâton des prophètes, il défend la prophète, il est là pour révéler tous les secrets cachés. Il dit, bon, attends. Comme ils sont en train de faire ça, le prophète est couché tranquillement dans son coin. Qu'est-ce que l'ange Gabriel va faire? Vas-y. Afin de l'informer au sujet du complot des Quraïchites. Voilà tout ce qu'ils ont dit dans les moindres détails. Et puis c'est qui à la tête? Ouais. C'est ton vieux, ton moro là, Tibris. Voilà, c'est lui, hein. Il s'est déguisé un vieux là. Donc faut t'apprêter, les gars, avec des tchats. Il est assis chez lui. A dit non, ton prophète n'a fait aucun miracle. Regardez ce qui va se passer. Vas-y. Il lui donna également l'ordre d'immigrer en lui précisant le moment propice. Il dit à cela, tu vas immigrer. Comme il veut te tuer là, tu vas partir. Mais voilà l'heure à laquelle tu vas partir. Exactement. Minutieusement. Voilà pourquoi on dit quand tu écoutes les conseils. Fais écouter les conseils minutieusement. C'est très important. Vas-y. L'archange Djibril lui dit. Oui. Cette nuit-là. Ne dors pas. Faut pas dormir chez toi. Hein? Ne dors pas dans ton lit. Hey, si tu as dormi là-bas, va faire ta sauce. La nuit, il ne faut pas dormir. Vas-y. En milieu de journée. Au milieu de la journée là. Le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est trop esprit. Il est trop intelligent. Se rendit chez Abou Bakr. Qu'est-ce qu'il fait? Afin d'étudier avec lui le déroulement de leur immigration. Il dit bon, j'ai reçu cette révélation. L'ange Gabriel m'a dit que voilà ce qu'il veut faire. Bon, on va tracer le plan. Comment on va faire pour partir? Vas-y. Aïcha. Oui. Rapporta à ce sujet. Nous étions chez Abou Bakr lorsque à midi, on vient lui dire. Vas-y, frère. Voici le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui vient à une heure à laquelle il n'a pas l'habitude de venir. C'est-à-dire qu'il est venu à une heure, Shabbat. Il n'a pas l'habitude de venir. Tout le monde a vu son suspect. C'est non, bizarre. Ça, c'est pas clair. Vas-y, frère, rapidement. Abou Bakr dit alors. Oui. Que soit sacrifié pour toi, mon père. Hey. Et ma mère. Il dit que soit sacrifié pour toi, mon père et ma mère. Vas-y. Par Allah. Par Allah. Ce qui l'amène à cette heure-ci. Ce qui amène le prophète à venir à cette heure-ci là. Va être une affaire importante. Hey, ça dépend de l'avenir de toute l'humanité. S'il arrive, c'est à cause de ça aujourd'hui que toi tu dis ici musulman, ici. Oui. C'est parce qu'il y a un homme qui dit, hey, l'homme qui arrive là, il est sacrifié mon papa. Même si ma maman est malade, je la laisse. Je vais l'accepter, je vais l'écouter. Parce que ce qui l'amène à cette heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne dérangeait pas les gens. Si vous voyez que donc préciser l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui respectait le droit des gens, qui respectait la quiétude des gens. Donc quand il vient à un moment bizarre, on dit, c'est que c'est important. Toi qui aimes aller chez les gens à midi 12, où le repas est toujours prêt là. Un bonjour, tu vas venir, un bon programme, on va pas t'accepter. C'est pas faux. Toi qui aimes déranger les gens à 23h, un jour tu vas venir un problème sérieux, on va pas t'accepter. On va passer que tu t'amuses, parce que tu as l'habitude de venir concours chez les gens. Tu as l'habitude de déranger les gens, tu as l'habitude de venir à la télé chez les gens. Le prophète ne se rendait pas chez les gens comme ça. Donc quand il l'a vu venir, il dit non. Ça là, c'est important. Vas-y frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva. Vas-y. Entra après que permission lui fut donnée. Hey! Et les gens avaient quelqu'un qui est chez toi. Quand il tue en même temps. C'est maintenant le monsieur très habillé. Tiens donc quoi même. Prophète, il rentre, il va chez son compagnon. Si on veut bien voir son subordonné, il tape la porte et puis il attend quoi? L'autorisation. Il attend qu'on lui donne l'autorisation de rentrer. Et c'est ça l'islam. Et c'est ça qui est recommandé chez les musulmans. Avant de rentrer chez quelqu'un là, et la carte te dit oui, il faut rentrer. Tu dis salam alaikum, si il répond alaikum salam. Ouais, bismillah, puis tu rentres. Et quand il dit ça, Marco, personne ne répond là. Retourne-toi. Il faut pas partir. Mais il y a un moment qui dit, ah, tu opérais qu'il m'a pas répondu. Vas-y, ton papa. Ouais. Regardez l'éducation. Regardez l'éducation de cet homme. Éducation spirituelle et morale. Regardez. On dit qu'il a un excellent modèle à suivre. Voilà l'exemple.
Vas-y, frère. Et il annonça à Abou Bakr, oui, que la permission d'émigrer venait de lui être accordée. Exactement, vas-y, frère. Abou Bakr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, s'il pouvait l'accompagner. Il dit, prophète, est-ce qu'il peut t'accompagner? Le prophète, vas-y. Et celui-ci acquit ça. Il dit, oui, tu peux m'accompagner. Vas-y, frère. Après avoir discuté du déroulement de leur voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui en attendant que la nuit tombe. Vas-y. Quant aux criminels de Quraysh, oui, ils passaient la journée à réfléchir à l'exécution de leur plan. Vas-y. Et ils choisirent pour cela 11 notables de la Mecque, parmi lesquels Abu Jahl. Bah, laisse-le. Vas-y, frère. Ibn Ishaq rapporta. On va s'arrêter là d'abord. 11 personnes qui sont destinées de venir tuer le prophète. Et quand ils vont arriver, le prophète ayant reçu la révélation qu'il ne devait pas dormir chez lui, vous savez ce qu'il va faire? Non. Il va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Qui peut trouver le nom de la personne? Qui dans le public peut trouver? Attaque-lui! Ali ibn Abi Talib. Il va le mettre à sa place. Mais il y a quelque chose de très important. Il faut chercher la suite là. C'est là-bas. Tu regardes bien. Il y a quelque chose de très important qui va se passer. On va bloquer ça pour jeudi prochain. On va passer à la série des questions. J'ai dit pour le sens, si tu veux écouter la suite, faut venir.